Quelle impression avez-vous après cette victoire face à la Guinée? La joie, hein, la joie immense que nos léopards nous ont procuré ce soir. On était malmenés, on désespérait. Mais écoutez, au bout de 2 minutes, les léopards ont démontré qu'ils sont toujours léopards. Donc je félicite nos 11 nationales, tous les joueurs, l'entraîneur Ibenge et son staff. Voilà, le président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kapangé. Sous son impulsion, cette équipe nationale, on parle d'elle maintenant sur l'échiquier continental. Et je pense qu'on ira très loin. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette équipe des Léopards? Écoutez, c'est le réalisme, hein, parce que le professionnalisme, surtout. Donc on a eu peu d'occasions de but. Donc, alors que les Guinéens nous ont malmenés, ils ont eu plus d'occasions que nous, mais ils n'ont pas scoré. Donc, ce réalisme, ce professionnalisme, c'est ce que nous apprécions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous? J'ai l'impression que la première mi-temps, on subit toujours, même si on arrive à se maîtriser. Dans la deuxième mi-temps, le plus souvent. Et des équipes plus professionnelles que nous, peut-être, peuvent exploiter cette faiblesse et nous marquer beaucoup de buts dans la première mi-temps. Un petit message à tous les Congolais qui ont suivi avec vous ce match. L'unité, quand le peuple s'unit, il y a moyen de produire un miracle. Donc, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Pendant cette période, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de notre unité. Merci, Excellence.